Salut, c'est Goldo comme d'hab. Et du coup, on est sur une autre map pour une nouvelle série. On est sur une map qui s'appelle Blizzard, réalisée par TKRHD. Donc le gars, pourquoi est-ce que je prends du bon hein le même gars que celui qui avait fait Sandstorm. Et ouais, voilà, du coup, en fait, on spawn ici. Ok, on a la règle par là, mais je vois un truc. Coucou. Non, ok, d'accord. on va aller voir les règles, alors d'abord, vite fait. Ouais, je me dis tant qu'elle a récupéré du bois, voilà. Ok, et on a du zombie. Donc ouais, ça aurait été avec grand plaisir que j'aurais bien lu les règles, mais je dois ramasser. Enfin, me ramasser, je veux dire, à l'intérieur. Voilà. Donc en tout cas, ouais, bienvenue sur Blizzard, une map réalisée par TKRHD. Je crois que ça doit afficher un truc comme ça. Et voilà, mais on lira ça après, du coup. Je vais d'abord devoir me faire de l'équipement. À quoi que les règles, je peux les lire à la limite. Ouais. Règles. Alors, ne pas jouer en peaceful, utiliser easy ou plus, okay, pas de souci. Pas utiliser de mode ou de glitch, ne pas quitter les limites de la map, ne pas créer de portail du Nether, ne pas crafter ni déplacer d'Under Chest, ne pas cheater avec les villager trade. L'objectif c'est de trouver et de compléter le monument de la laine, mais je peux pas utiliser de laine craftée pour le monument. Par contre, je peux crafter du métal et des gemmes blocs pour le monument, toujours. Et voilà, c'est donc tout pour la règle. Ok, bah, c'est cool. Et additional information, clouds. Donc, bon, on peut désactiver les nuages si on veut, ok. Une distance d'affichage, il nous recommande d'avoir une bonne distance d'affichage. Et ouais, donc ça c'est comme pour Sandstorm. Pour les packs customisés, ils nous invitent à en utiliser si on veut, mais à la base la map a été conçue avec le pack vanilla. Donc voilà, ça au moins c'est cool, tout ça on sait. Voilà. Et je vais faire ça rapidement. Me faire une épée, on va partir. On va d'abord partir, il y a plein de monstres. On va partir ici, parce que j'ai cru voir un coffre. Ouais, si, ouais, voilà ce que j'ai vu. Ouais. En fait, si vous voulez, je pensais avoir vu, je pensais que ça, là, c'était un coffre. Voilà. Donc bon, c'est... Il y avait bel et bien un coffre, juste pas là où je pensais. Voilà, tout ça, je veux bien. Il me faudrait une pioche assez vite. Parce que ça, du coup, ça va être un petit peu chaud à éclairer. Ça va pas très bien marcher, mais bon. Et ici, non, on n'a pas de pioche. Par contre, on a une hache, donc c'est cool, ça, on va pas se plaindre. Et on a même un petit peu d'armure. Et on a plein de mobs aussi à l'extérieur, c'est dingue ça. Voilà, comme ça, tout ça en équipe. Je vais me refaire des torches toujours. Paf, voilà, pendant que j'y suis. Bah, c'est cool, comme ça, au moins, juste ce qu'il faut pour faire pour les torches. Les coffres, je vais les laisser là. Table de craft ici, c'est cool, je vais la reprendre aussi. Ça, c'est de la cobble, ça. Ouais, je crois que c'est de la cobble. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est le problème de part de... Ah, c'est peut-être des trucs à silverfish pour certains blocs. Elle est où l'échelle? Elle est là, voilà. Je vais me crafter une pioche rapidement en bois. Et comme ça, en fait, ouais, je vais m'amuser à récupérer un petit peu de cobblestone dans la base de la maison. Comme ça, bah, enfin, si c'est vraiment de la cobble, du coup. Et comme ça, ouais, je vais pouvoir me faire un petit peu d'équipement en cobblestone. C'est pas de la cobblestone, c'est des dalles. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est dommage. Hey, comment t'as fait pour spawner toi? J'ai supprimé le spawner, merci. Hein? Dis donc. Et je récupère aussi le coffre qui est là, voilà. Et du coup, bah, on va essayer de sortir comme on peut de la maison, alors. Ouais, on a un début d'équipement déjà mal en point, voilà, ça commence bien. Et du coup, c'est parti. Coucou, voilà. Comment est-ce qu'ils ont pu me taper là, c'est bizarre. C'est pas grave. Donc ouais, du coup, je sais pas si je l'ai montré, mais je joue en normal, comme au début pour Sandstorm. Et si c'est pareil que Sandstorm, si la map est trop simple, et ben en cours de route, je passerai en hard. Mais voilà, maintenant, en règle générale, pour les maps 6ème, je préfère essayer de jouer en normal. Simplement parce que c'est souvent sur le mode normal qu'elles sont équilibrées, en fait. Donc voilà. Bébé zombie m'énerve, quoi. Regardez ça, c'est abusé. Ah, et Silverfish aussi pendant qu'on y est, et j'ai même plus d'armes, voilà ce qui est cool. Tant pis, on va servir de lâche un petit peu. Et hop, on meurt, les gars. Hey, qu'est-ce qu'ils sont résistants en plus, c'est abusé quoi. Et moi par contre, non, pas spécialement. Voilà, hein. J'ai pris pas mal de dégâts, voilà, j'ai déjà plus de nourriture. C'est abusé, voilà. Bon, bah, du coup, je sais ce que je peux faire, voilà, je peux déjà me crafter. Ouais, je me crafter deux épées, tiens, je profite d'en avoir mis deux bâtonnets. Ouais, je pensais avoir entendu un silverfish. Et du coup, ouais, bah, vu que j'ai récupéré des champignons dans la cave, voilà, autant m'en servir.
Ok, et donc du coup, qu'est-ce que ça affiche ici? Donc, ouais, bienvenue sur Blizzard, Map System avec 3 lanes créées par Ticker HD pour le Strawberry Jam 4. Voilà, ça, je crois que c'est une espèce de petit. Comment dire? C'est les petits. Pas des tournois, mais des. Bon, plus ou moins des. Bon, en fait, si vous voulez. C'est vachement explicite ce que je suis en train de dire. Non, ouais, ça peut arriver dans. C'est arrivé par exemple pour le jeu vidéo aussi. Genre, le Ludum Dare, c'est un. C'est le même jeu de délire, mais pour les jeux vidéo, en fait, c'est vous avez un court laps de temps pour créer, bah, par exemple, un jeu vidéo, ou dans le cas présent, une map. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est ça, du coup, Strawberry Jam. C'est sympa, du coup, c'est original. Donc, ouais, du coup, du charbon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? Les rochers sont tombés sur ce chemin. Vaut mieux que tu trouves un autre chemin, justement, d'accord, intéressant. Il n'y a pas de charbon par là. Non, il n'y en a pas beaucoup à première vue. J'ai envie d'aller regarder au-dessus pour voir rapidement. Tiens, j'en vois derrière lui là. Donc ouais, au pire je pourrais récupérer ça. J'aurais peut-être dû dormir dans le lit aussi par rapport à la neige. Bon, le charbon ça va être 15 ans à récupérer si je récupère sur caméra, donc je vais pas le récupérer sur caméra. Mais ceci étant dit, ouais, je reviendrai je pense un petit peu plus tard pour prendre tout ça. J'ai juste envie d'aller voir vite fait ce qu'il y a au-dessus. Ce que s'il nous dit ne va pas par là, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-haut. Voilà. Alors on va bien voir. Eh bah ben, ouais, vous voyez, j'ai raison du coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Sharpness 2. Voilà, j'ai bien fait de venir par là. Stone Brick, c'est pas mal le boule de neige. Bon, qui est intéressant. On va tout prendre avec nous. Et voilà, maintenant, par contre, je pense qu'il y a bel et bien plus rien par là maintenant. Quoique, peut-être encore dans les hauteurs. Ouais, quoique, non, je pense pas quand même. Ok, bah c'est cool. Ouais, je vais aller voir si je peux dormir dans le lit. Je vais récupérer aussi un petit peu du charbon qu'il y a dans le coin. Et je vais faire sort caméra, du coup, pour pas vous importuner avec ça. Bon, du coup, ouais, je vais dormir un petit peu, mais ça n'a pas passé la neige, ce qui est dommage. Et j'ai récupéré du charbon et du bois pendant que j'y étais aussi. Hein. Donc voilà, comme ça, on mange un petit peu des deux et c'est cool. Sur ce, ouais, on va essayer de descendre, jouer un truc par là. Donc je serais curieux de voir ce que c'est. Sinon on a des arbres, ok, on a même du squelette, enfin pas du squelette, du creeper, pardon. Voilà, ça commence, voilà, je commence déjà à inverser les noms des mobs. Ah combien de temps avant que j'appelle les creepers chargés, des creepers explosifs, voilà, prenez les paris. Ouais, y a un coffre ici, toi tu t'en vas, voilà, merci. Toi aussi, tu t'en vas aussi, ouais, toi aussi, voilà, comme ça. Il me semble en avoir vu un autre, ouais, juste là. Je vais pas pouvoir le supprimer maintenant. Par contre, je vais pouvoir éclairer déjà. Ouais. M'offrant un petit peu de temps du coup pour pouvoir le supprimer maintenant. Voilà, comme ça. Et comme ça, je peux regarder un peu le coffre. Ok, un pantalon, des flèches et de la neige. Intéressant. Ah, mes bottes sont déjà presque mortes. En fait, mon équipement est déjà presque mort. Hein, donc, voilà, c'est ce qui est bien. Ça, je n'ai pas vraiment besoin. Donc voilà, tu restes là. Est-ce que. Ah, il y a pensé à chaque fois quoi. Tant pis, c'est pas grave. Donc ouais, du coup, on va continuer. Est-ce que... Non, là, c'est un escalier. Est-ce que... Ah non, 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 c'est même pas la peine, il y a pensé. Dommage. Coup, voilà. On va faire attention quand même au mob. Pratiquement niveau... Bah voilà, niveau 20. Voilà, c'est bon, ça commence tranquillement sur cette map. Ouais. Wow, coucou. J'ai pas d'arc. J'ai de quoi m'en faire un. Ah. Attends, juste 2 secondes. Je pars me crafter un arc et j'arrive. Ça, on va pouvoir jouer armes égales avec lui. J'ai un peu de mal à parler. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. Enfin, comme je disais tout à l'heure. Peut-être que j'ai pas. Peut-être que je l'ai pas dit. Ouais, peut-être que je l'ai pas dit. Mais j'enregistre ça du coup juste après Sandstorm. Voilà, la précédente mini CTM que j'ai fait. Et du coup, bah, je suis. Ah, je suis pas non plus fatigué, j'ai suffisamment la pêche pour enregistrer encore. Puis disons que j'enregistrerai beaucoup plus de contenu que ça d'affilée, quoi. Donc c'est pas 3 vidéos d'affilée qui vont fatiguer. Mais bon, je suis pas aussi frais que pendant ma première vidéo de la journée, quoi. Donc ouais, ça s'est fait du coup. Hey, toi là-bas! Bim! Voilà. Ah, ça s'est fait. Et on va récupérer un petit peu son équipement. Ouais, flèche et os. Super. Ok, donc j'ai un coffre par là, on va aller le récupérer. Coucou le creeper. Ah, ça aurait été bien que tu exploses aussi. Voilà, comme ça. Pour casser ton spawner. Ok, donc du pain, des flèches. Je vais tout récupérer comme ça. Parce que j'entendais le zombie derrière moi. Donc ça, c'est cool. Et voilà, comme ça, je joue ça. Puff, puff. Ok, c'est cool. Ouais, petit lag spike. Pas grand chose, ça va. Par là, il y a l'air d'avoir des trucs aussi. Là.
Ah, quoique, non, peut-être pas nécessairement. Bon, bah, en tout cas, on va traverser ça du coup. Alors, en prenant le temps de caisser un petit peu les spawners si on peut. Voilà. Même s'ils mettent un petit peu de temps à caisser. Ouais, c'est du silverfish, mais bon, au moins comme ça, c'est fait. Et ici, on a de l'araignée. Ouais, j'ai vu un squelette, ouais, par là. Ouais. Ah, voilà, c'est cool, je l'ai eu. Enfin, le spawner, en général, je l'ai eu. Voilà, j'ignore un petit peu les mobs. On va essayer de faire un petit peu de progrès quand même. Coucou. Ah, hi, ah, je vois une maison là, qu'est-ce que c'est? Checkpoint. Ok, nice. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre, tiens? Ah bah, bien. J'en avais bien besoin, donc je vais pas m'en plaindre. Voilà, quelques blocs, des flèches, même une potion de soin, donc ça, c'est pas mal. Je vais garder mon équipement. Ouais, je vais garder l'équipement que j'ai. Comme ça, quand celui-là sera abîmé, je pourrai le réparer. Ouais. Ok, donc c'est cool, n'empêche. Tiens, un truc que je peux faire assez rapidement, c'est ça. Paf, voilà. Ender chest, j'ai le droit de m'en servir. Juste pas le droit de les déplacer ni de les crafter. Voilà, je vais stocker tout ça là-dedans. Parce que j'en ai pas vraiment besoin, du coup. Ça aussi, ça aussi. Ouais, le reste, je pense que je vais le garder. Ouais, les boules de neige, quoique je peux en faire des blocs. Ouais, allez, tiens. Paf, on va se faire des blocs. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ouais, et ces trois-là, on va les stocker à l'intérieur. Le fil, tiens, c'est pendant que j'y suis, voilà. Ok, c'est cool. Et je peux pas dormir. Bon, on va tuer les monstres un peu. Voilà, coucou. Toi aussi, coucou. Ouais, c'est bon maintenant. Ouais, est-ce que cette fois, je peux dormir? Ouais, je peux dormir? Non, pas le coffre. Voilà, c'est cool, je peux dormir. Ok, pas mal. Bon, bah ça c'est fait du coup. Si ça commence tranquillement, du coup, pour cette map. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend après ça. Ok, donc oui, je vérifie juste s'il n'y avait pas une entrée ou autre par là maintenant. Pas mal de mobs. Alors on a le choix, Frostwater Outpost. Poste de garde, Frostwater serait de l'eau gelée, quoi, en fait, on va dire. Ça pourrait être un nom d'endroit aussi qui s'appellerait eau gelée. Oui, ça pourrait être un des deux. Eh bien, décidément, toi, t'as du mal, toi. Pfiou, voilà. Et du coup, ici, Desolated. Super l'accent. Desolated de Rodom. Voilà, donc ce qui veut dire du coup, hors d'homme serait ben, d'homme de minerai, ouais, minerai qui serait désolé, quoi, en fait, donc qui serait complètement détruit, pas désolé dans le sens, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, mais ouais, désolé dans le sens, voilà, tout cassé, quoi, on va dire. Tu meurs, ah, nice, ouais, je t'avais pas vu, toi, ni entendu d'ailleurs, ah, c'est cool, supprimer rapidement ça aussi, ça m'arrive tout le temps, ça. Là. Je pose une torche et je la casse immédiatement après. Et j'ai juste de voir que mon épée est bientôt morte. Donc si je peux la conserver pour la réparer un petit peu plus tard, ce serait pas mal. Hey! Ah! Souffre! Ah, qui c'est cool. Bon, spawner ici, on va le laisser. Je vais éclairer de temps en temps, mais pas trop non plus que sur ce chemin-là. Ça sert à rien d'éclairer comme un maniaque. Ah, tout ça, on tue. Ouais, on tue tout ça. Ouais, tout ça, c'est bien. Voilà. Manger un petit morceau et du coup bah, si on n'avait pas la neige là bah, du coup on pourrait voir clairement ce qui se passe. C'est donc ouais le truc que j'ai cassé au passage, c'est la même jumelle que sur Sandstorm, voilà. Et ouais du coup on peut voir le château en détail, pas mal. Ouais, on a un truc en bas, ok, je pense que ça a l'air d'être tout à première vue. Il y a un pont du coup là-bas qui est cassé. Est-ce que par là-bas j'entends le loup, le renard à la belote. J'entends des araignées. Donc je vais m'attaquer à elle rapidement. Comme ça, je pourrais regarder. Voilà la suite. Ouais. Tout. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre après. Ok, bon. En tout cas, c'est intéressant sur le truc là. C'est bien pensé pour le coup, ça, le coup des jumelles. Comme ça, c'est rigolo. Voilà, hop, ça on éclaire pour être tranquille. Ok, on a un spawner, un squelette à droite, parce que je l'ai vu spawner en même temps à droite. Voilà, ça je vais essayer de le supprimer comme je peux. Bon, ok, le zombie il est coincé sur le mur, donc c'est cool. On a un squelette juste là, voilà. On va s'occuper de lui. Ouais, c'est cool. Tiens, toi tu prends des dégâts aussi un petit peu pendant que j'y suis. Voilà. Et ici, du coup. Toi d'abord, je m'occupe de toi. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, maintenant je m'occupe de ça. Niveau 27, je suis en tout début de map, quoi, mais bon, c'est pas grave. Non, 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 tu m'attaques pas comme ça, toi. Ouais. Coucou. Et le squelette aussi. Comment il fait pour. Comment il a pu me toucher de là où il était? C'est abusé. C'est abusé un peu. Ah, c'était peut-être l'araignée qui vient de me sauter dessus, là.
Ouais, c'était peut-être elle. J'ai du mal à toucher les mobs aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce qui m'arrive. Qui donc ça s'est fait? Pas vu qu'il y a rapidement pour ailleurs un petit peu les spawns. Il y a un ou deux spawners par là, j'en ai vu un par là, il me semble qu'il y a... Ouais, ici on a un autre. Ça je vais manger. Voilà. Ah, et j'ai cassé mon épée! Voilà, pas mal. Il résiste bien en plus, avec son casquet, il m'a filé un arc. Intéressant. Ouais, je répare ça. Ok, donc ça du coup, bah maintenant je commence à casser un petit peu les spawners. Enfin, comment ça, je casse un petit peu les spawners qui sont par là. Bon, en tout cas, c'est un petit peu plus nerveux que le début de Sandstone, je trouve. Sandstone. Ouais, voilà. Sandstorm. En tout cas, c'est une impression à première vue. Donc après, j'en sais rien. Peut-être que ça se trouve, c'est pas vraiment le cas. Mais ouais, c'est l'impression que ça me fait pour le moment. Tout, voilà, ça, on va le casser aussi. Et du coup, bon, on va s'approcher du château après ça. Peut-être. Oh, la... sérieux, la torche, quoi. Ouais, toi tu meurs. Non, toi tu. Bon, ouais, toi tu m'énerves. Ouais, voilà. Ça m'énervait la torche, là. Et ouais, voilà, niveau 30, c'est ce que j'allais dire. Ok, c'est cool. Ouais. Ouais. Ah, il y a un coffre ici. Oui, attendez, je prends le truc de zoom. Hop là, zoom. Oui, il y a un coffre là. Du coup, il faut qu'on aille voir ça. Pif, ok, d'accord. Ça continue par là. Oh, du silverfish dans ce genre de situation là, je supporte pas ça. Et les escaliers, les marches, les silverfish, c'est une horreur quoi. C'est vraiment une horreur à chaque fois. Ok. Donc, ouais, faudra que je pense à descendre. Faudra que je pense à descendre jusque là. Comment est-ce que. Ouais, si ici il y a de la glace que je pourrais casser pour faire de l'eau. Et du coup, je pourrais descendre et ensuite remonter par là. Bon, bah, du coup, voilà, on va croiser là pour pas se faire attaquer pendant qu'on fait le petit pont. Voilà. Et on a une araignée là-bas. Ok. Ouais. Qui a pas l'air spécialement décidé à nous attaquer, donc c'est cool. Voilà, on supprime ça. Et on va avancer du coup. Ok, y a un petit peu de zombies par là, c'est pas mal. J'entends du mob, voilà, ici. J'ai entendu, donc je me suis autant sécurisé ça le plus vite possible. Ouh, on va essayer de la jouer assez safe quand même. Voilà, à moins que ce soit vraiment trop simple, auquel cas, bah, tout comme sur Sandstorm, on rushera un peu. Mais voilà, à la limite, tant qu'on peut, toujours essayer de jouer un petit peu safe. C'est vrai que l'équipement est pas génial, surtout au niveau de l'épée, donc ouais. Ah! Il m'a surpris lui. Voilà, et tes tumeurs. Énerve, ouais, rapidement. Voilà, on va se refaire une épée pendant qu'on y est. Hop, RAM 2. Voilà, ouais. Du coup, sur moi, ce sera fait. Voilà, c'est cool. Et des torches aussi. Voilà. Ouh. Et c'est reparti. D'abord, je répare un petit peu ça. Le plastron aussi, hein, pendant que j'y suis. Voilà. Et je peux même réparer le casque aussi. Voilà, comme ça, on a tout réparé. C'est cool. Ça, j'ai bien fait de tout garder en rab. Comme ça, moi, tout est propre. Tout est bien réparé. Déjà, niveau 32, ce qui est beaucoup plus que Sandstorm en comparaison, au même niveau à peu près. Zut. Je sais pas ce que je voulais, tant pis. Voilà. Ça, c'est problématique. Je vais reprendre des blocs. Quand ça se fait que j'ai une dalle qui me sort. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça que je voulais à la base. Et on va attaquer un petit peu les squelettes. Voilà, ça c'est fait. On a un nou de nouveau un zombie qui a spawné par là, génial. Ouais, et tu meurs s'il te plaît. Voilà. Et je vais pouvoir finir ma défense. Voilà, c'est cool. Comme ça, on va pouvoir fouiller un petit peu le coffre qui était par là en paix. Juste d'abord, rapidement, on va toujours supprimer les spawners. Ouh, je vais regarder un petit peu depuis combien de temps j'enregistre. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, j'enregistre non-stop et j'ai pas pensé à mettre un chrono en marche. D'abord, voilà, on regarde ce qu'il y a ici. Nice, une épée plus puissante, Unbreaking One. Bah, ça, je veux bien. D'abord, juste casser mon épée. Ouais, d'abord, je vais la casser, comme ça au moins, ce sera fait. Ouais, ça, j'ai vidé ça rapidement. Donc, ouais, je vais regarder depuis combien de temps j'enregistre. Comme ça, au moins, enfin, je pourrais aviser selon le temps que je mets à faire mes épisodes. J'ai beaucoup de mal à parler là. l'objectif serait de faire des épisodes peut-être ouais, 25 minutes à peu près. Donc, comme d'habitude, avec les maps Steam que je fais sur ma chaîne. Ok, donc on en a encore pour 5 petites minutes. Je vais aussi mettre un chrono en marche. Donc, je pense que c'est fait. Ouais, réparer mon épée, du coup, c'est cool, ça. Voilà. C'est pas mal, ouais, c'est bien, ouais. Je vais aussi me refaire une pioche, du coup, pendant que j'y suis. Voilà, paf. Et ça, ah bah, j'ai déjà des bâtonnets, génial, voilà, ça c'est de l'efficacité, ça. Voilà.
Comme ça, on va pouvoir continuer un petit peu. Coucou. Ouais, coucou, ouais, ouais coucou, ouais, coucou. Ouais, je vais attaquer comme ça, comme d'habitude, voilà. Ouais, super, il m'a fait un petit peu mal. Ça, en fait, c'est les dalles là, qui sont gênantes. Il y a un coffre juste à ma droite, là. Pas un coffre, un four. Oh, nice. Les secrets, ça recoule. Les secrets, c'est cool. Je vais laisser le four, là. Tiens. Oh, quoique. Peut-être qu'on aura... D'un côté, je sais pas si ça me servira. Non, ça me... je pense pas que ça me servira du tout. Voilà. Ouais, ça c'est fait. Il m'a pas droppé. Si, excellent, il m'a droppé son arc, c'est bien ce que je pensais avoir vu. Je veux juste par contre avoir ça dans ma barre plutôt que ce que j'avais avant. Enfin, niveau disposition. Ok, deux échelles par là. Je me demande bien d'où est-ce qu'ils peuvent spawner en fait. Parce qu'il y avait plein de squelettes par là. Bon. Waouh. Oh, il y a des araignées bleues en bas quoi, sérieux. Côtelette. Bah tiens, à la limite, je vais mettre ça à cuire. Tiens, voilà, je vais utiliser ça pour cuire. Ça va faire un demi, voilà, ça va faire deux. C'est du gâchis un peu, là, ce que j'ai fait. Je vais mettre ça. Non, quoique la pioche, ça fait un. Donc, ouais, ensuite, avec ici, j'en ai besoin que de deux. Voilà, comme ça va cuire trois côtelettes. Voilà. Et sinon, après, donc, elles sont là. Donc, ouais, parlez, continue. Spawner juste là, je viens de voir les flammes. Ouais, voilà, j'ai raison. Voilà, comme ça, je vais pouvoir supprimer ça un peu. Un peu beaucoup, d'ailleurs, pendant que je suis. Super. Ouais, donc par là ça descend. Et du coup par là j'imagine que ça monte. Ouais, c'est ça. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on a du coup? Coucou! On a du bub! Non! Non! On reste à la surface. On reste en haut, le creeper. Non, on n'explose pas non plus, s'il te plaît. Voilà, merci. Coucou! Ah, il y a du creeper et tout. Chaud un peu, chaud! Ouais. Moi je continue d'éclairer un peu. Il a même cassé le coffre qui était là-bas. C'est abusé, il y a trop de mobs là. Il y a trop de mobs. Voilà, un creeper qui explose en 3, 2, 1. Ok. J'aurais bien besoin de me nourrir là pour le coup. Ouais. Et j'aurais bien besoin de changer mon épée aussi. Tiens. Ouais. Ok, c'est cool. J'en ai vu un autre sinon après. Ouais. Passer de bloc, ceci étant dit, je me sers de ça, voilà. Voilà, ok, c'est cool. Fou, je dois récupérer. Bref. Ok, nice. Eh, bah tiens, bah, c'est la laine, ok, d'accord, bah ça c'est fait. Récupérer le charbon. Bon, on va récupérer la laine, du coup, pour la fin de la vidéo. Donc, je récupère quoi? Protection 1. Mon casque est bientôt mort, efficiency 1, ça c'est sympa. Bah, du coup, comme ça, je vais pouvoir finir d'utiliser ma pioche. Et ensuite, comme ça, je pourrais passer à celle en pierre. Ok, donc par là, ouais, y a encore du monde. Hey, coucou! On va faire un truc vite fait. Voilà. Ouh, j'avais pas vu que j'étais si low que ça en vie par contre. Rapidement. Voilà, c'est un petit peu du gâchis, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais mettre ça du coup, parce que les mobs sont assez curious. Pareil, on va équiper ça. Voilà. Est-ce que du coup, je peux faire. Ouais, c'est bon, ça, je peux faire. Et du coup, on a dit safe. Voilà. Ils vont tirer des flèches, c'est cool, ça pourrait m'aider du coup si tirer sur les creepers et les autres squelettes. Non, en fait ils sont en train de se tirer dessus entre eux, donc c'est cool aussi. Voilà. Ouais, tuez-vous, entre tuez-vous, c'est pas mal. Voilà. Moi je sais que passer, de toute façon, hein, je regarde un petit peu comment c'est dans le coin. Peut-être que j'emménage un peu plus tard. Voilà, je sais pas encore trop, j'hésite un petit peu, hein, voilà, ça dépend du loyer. Hein, ce que je veux dire, bon voilà. C'est pas aussi du voisinage, parce que bon, le voisinage c'est quand même important. La connexion internet aussi, surtout, j'ai besoin d'une bonne connexion internet. Parce que bon, sinon, hein, voilà, c'est pas terrible. Mais si les conditions sont réunies, je compte emménager, hein, voilà, un si on se peut. Ah, ça c'est fait. Adieu! Ah zut! Ah, je suis deg un petit peu là. Ouais, du coup, qui sera tout pour cet épisode. Ouais, mes côtelettes ont fini de cuire, impeccable. Donc ouais, voilà qui sera tout pour cet épisode. Premier épisode du coup sur Blizzard. Prochain épisode, on ira parler, on regardera un petit peu ce qu'il y a. Ouais, en espérant qu'il y ait du bon équipement, parce que voilà, ça j'aime pas trop ce que je vois. Sur ce, bah, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis, je suis un cactus.